Yeah. You know what? Bonjour à tous, bienvenue chez Clean & Cobrin. Aujourd'hui, comme précédemment annoncé, nous allons faire un test produit de la gamme InnovaCar. Aujourd'hui, donc, nous allons travailler sur cette magnifique Mustang bleue et son merveilleux intérieur cuir, où nous allons pouvoir tester de nouveaux produits. Donc, on va commencer par le nettoyant. Donc, c'est le Fabric Sanitizer de chez InnovaCar. L'aspect intéressant de ce produit, c'est qu'il est pour les cuirs et les tissus. Deuxièmement, il est anti-odeur, ce qui va vous permettre de ressortir par exemple les odeurs de tabac des cuirs, ce qui est assez difficile en général. Troisièmement, il est diluable, donc ça va permettre économiquement et en termes de place de faire des gains. On a l'habitude de travailler, nous, chez Clean & Cobrin avec ColorLock, et il nous faut en général un nettoyant puissant et un nettoyant doux. Le nettoyant puissant va servir à faire un bon nettoyage et le nettoyant doux, l'entretien régulier. Là, chez InnovaCar, tout simplement, c'est diluable en 1-1. En version pure, ça équivaudra au nettoyant puissant, et en version diluée, ça équivaudra au nettoyant doux. Ensuite de ça, le format est assez intéressant, donc c'est 500 ml, ce qui permet économiquement d'être au top. Au niveau des prix, c'est défiant toute concurrence. Et donc, pour un entretien courant, dilué, vous aurez 1 litre. Vous avez également le mode d'emploi, très bien expliqué, qui reviendra sur comment l'utiliser, comment le mettre et toutes les propriétés qu'il a. Donc ensuite, à la fin du nettoyage, nous allons passer au traitement des cuirs. Donc encore une fois, chez InnovaCar, donc ils appellent ça le dressing, donc c'est le SC2. L'équivalent, ça va être la lotion protectrice de chez ColorLock. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il est multi-usage, donc sur les plastiques, les cuirs, les vinyles, le caoutchouc. Ensuite de ça, son action principale, donc c'est la protection. Il va nourrir votre cuir, le protéger des UV, il est hydrofuge, et il crée une barrière chimique sur votre cuir afin de le protéger. En termes de quantité, on a toujours 500 ml. Donc encore une fois, c'est des quantités qui sont assez sympathiques. Surtout que ce produit-là, il est diluable en 1,5. Donc ça va vous permettre économiquement d'être au top. Pour l'avoir senti, il sent super bon. Il a une petite odeur fraise des bois comme ça qui est franchement, je valide quoi. Et voilà, pour la présentation produit, on va donc maintenant passer à l'application. Donc on va passer à l'application du Fabric Sanitizer de chez InnovaCar. Pour cela, vous allez avoir besoin d'une brosse à cuir, d'un pinceau tissu standard et d'un chiffon microfibre propre. Je pulvérise directement sur le siège de cette Mustang. Je prends la brosse et je frotte. Je vais en remettre un petit peu. Je vais prendre le pinceau afin d'aller dans tous les interstices, les coutures et les endroits un petit peu plus sensibles pour bien chercher toutes les saletés. Je vais remettre un petit coup sur le boudin.
Je vais maintenant essuyer. Voilà, ce qu'on arrive à ressortir de ce fauteuil. Et maintenant, je vais enlever le scotch de mon cage. Et voilà, un cuir propre, impeccable. À l'application du SC2 dressing de chez Innovacar sur les cuirs, donc les cuirs qu'on a fait au préalable. Je vaporise sur la microfibre. Il préconise de le mettre en criss-cross. Donc on va suivre tout simplement les conseils du fabricant et on croit. Comme son nom l'indique. Et voilà, donc il est très facile de pose, il sent super bon. Il n'y a pas une trace. Impeccable. Pour faire la coudoir, donc on a décidé de faire un comparatif entre le Fabric Sunliser de chez Innovacar et la référence en la matière de nettoyant cuir Colorlock qu'on a préalablement mis dans un petit sprayer moussant. Que nous allons utiliser cette brosse et pour le Fabric Sunliser comme avant, je vais utiliser ce pinceau. Je vais donc commencer avec le Fabric Sunliser que je pulvérise directement. Il mousse très bien. Je vais l'essuyer avec ma microfibre propre. Il s'essuie hyper facilement. Et voilà le résultat. Je vais passer maintenant au nettoyant Colorlock. Je mousse directement sur la brosse. Et je frotte.
j'ai passé à peu près autant de temps pour l'un comme pour l'autre, que ce soit équitable. Il mousse très bien également. Et je vais essuyer avec mon côté propre. Et donc, voilà le résultat. Je vais sécher. Maintenant, je vais démasquer. Un petit coup d'essuyage. Et je pense qu'on peut dire qu'ils font aussi bien le taf l'un que l'autre. Avec une petite préférence quand même pour l'InnovaCar, qui est tout simplement plus simple d'application. Et qui sent aussi super bon. Voilà donc pour la conclusion. Donc moi les produits, ben ils m'ont convaincu. On va d'abord revenir sur le Fabric Sunlizer que j'ai trouvé super sympa d'utilisation, bien plus pratique que le Color Lock. Vous aurez pu voir dans la vidéo qu'on a fait un 50-50. On a mis en comparaison donc le Color Lock Hard qu'on utilise et le Fabric Sunlizer. Et bah en termes de rendu, c'est le, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, ils se valent. Ensuite, le Fabric Sunlizer, moi j'ai trouvé qu'il était vraiment plus simple d'utilisation et en termes de gain de temps, il est phénoménal. La problématique du Color Lock, vous l'aurez vu, c'est il faut mousser sur sa brosse, le mettre. Malheureusement, il sèche hyper vite, donc ça m'oblige moi à faire les sièges et les surfaces en plusieurs fois afin qu'il ne sèche pas et qu'il n'y ait pas de traces. Là, le Fabric Sunlizer, vous le mettez, vous utilisez votre brosse, votre pinceau souple afin qu'il mousse bien. Le produit, ben, il reste bien, il fait bien son usage. Vous passez votre microfibre et franchement, ben, le taf est fait. Il est super pratique, il a une très bonne odeur également, il a une odeur un petit peu cuir, écorce d'orange comme ça que j'ai trouvé super sympa à travailler. Et franchement, ben, pour moi, il n'y a pas photo, surtout ben, en termes de coût. Donc en termes de coût, on va être environ 4 fois moins cher qu'un Color Lock. Et on revient là-dessus, comme il est diluable, ça va vous permettre d'avoir les deux produits en un seul. Donc celui qui sera plus nettoyant pour tout ce qui est surface qui n'ont pas été entretenues depuis longtemps et celui qui sera plus doux pour l'usage régulier. Moi là-dessus, ben je valide. Franchement, moi c'est un gain de temps phénoménal sur l'entretien des cuirs et concrètement je vais le garder et c'est validé. Ensuite de ça, pour le dressing, donc pareil. Hyper simple d'utilisation, donc vous pulvérisez directement sur votre microfibre, vous appliquez et franchement bah, l'odeur elle est au top. Elle a une petite odeur fraise des bois comme ça, super sympathique. Et l'avantage, comme c'est aussi pour les plastiques, si vous débordez un peu, ça ne les marque pas, contrairement à son concurrent. Encore une fois, en termes de quantité, de prix, c'est imbattable. J'ai que du positif pour ce produit, que du plus, et franchement, je vais les garder, moi, pour mes entretiens courants, parce que franchement, en termes de temps, c'est un gain phénoménal. L'avantage aussi, c'est qu'il est en sprayer, contrairement au Color Lock. Donc, le Color Lock, en fait, c'est une bouteille, la lotion,
et il faut à chaque fois soit refermer le bouchon, soit la poser à côté. Que là, vous avez votre sprayer, vous avancez, vous n'avez pas peur de le renverser, c'est un gain de temps phénoménal. Donc je fais que valider les deux produits parce que ils sont au top et moi perso je les garde et je n'irai plus chercher chez la concurrence. Donc voilà, en conclusion, vous avez pu voir nos tests produits avec notre avis pro dessus. Je valide les deux, ils sont vraiment super. Je remercie grandement notre partenaire Jonathan Da Silva de chez IJ Meca de nous avoir fait découvrir ce produit parce que c'est vraiment une petite pépite hein, quand même, il faut le rappeler. Donc je vous laisse. Avec ces produits, vous pouvez retrouver tout ça dans son shop. N'hésitez pas à le contacter. Il est de très très bons conseils. Et puis je vous retrouve très prochainement pour la suite des tests produits de la gamme.